Coucou à tout le monde et bienvenue, voilà, en vidéo pour vous donner des nouvelles de notre association. Ça fait un bon moment. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, ils ont déjà quelques informations qui vous manquent sur YouTube parce que j'ai pas encore trouvé le moyen pour juste publier des photos ou des petits textes ici. Ça se fait, je le sais, mais j'ai pas encore pris le temps de trouver la façon. Voilà, une chose encore à faire pour moi. Mais du coup, pour cette fois-ci, je rattrape les informations. Alors, ça a commencé début septembre. Pour nous, il y avait un article dans la Charente Libre sur notre association. Et voilà, notre but, notre fonctionnement et... Il a annoncé aussi notre atelier de lancement qui avait lieu fin septembre. Et cet atelier-là, c'était super bien passé pour nous. C'était plus que on a imaginé en fait. Et on était 13 participantes et plus 2 qui sont arrivées plus tard. Et c'était une super super ambiance pour les hommes. Pour avoir des impressions de notre atelier, je fais déjà une vidéo. On a filmé un petit peu et on a mis déjà en ligne en vidéo. Voilà, n'hésitez pas de jeter un œil. C'était vraiment, vraiment sympa et on a eu même un homme qui s'est lancé dans le scrap. Je suis très fière de lui parce que voilà, hein, c'est pas évident. Les hommes sont rares dans le scrap quand même. Grâce à cet atelier-là, on m'a proposé une poste de remplacement pour un atelier scrap dans le centre socioculturel et sportif d'une commune juste à côté de chez nous. Et voilà, je suis très 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 contente. J'interviens pour notre association et ce sera au profit de 1, 2, 3, cœur, feuille, ciseaux. C'est pour l'instant... Un trimestre jusqu'à de octobre jusqu'à décembre. J'ai 4 interventions à préparer, 3 ateliers par mois et un atelier qui dure une journée complète. Et là, on peut faire des choses plus compliquées. Plus, voilà, c'est une super super expérience et je suis très 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 reconnaissante aussi de la confiance. De me proposer cette poste là et après on va se retrouver pour discuter est-ce un prolongement éventuellement ou pas, on verra. En tout cas, ça c'est quelque chose, voilà, qui se c'était une bonne bonne surprise et c'était grâce à cet atelier. Peu après cet atelier, il y avait un autre article sur nous, cette fois-ci dans le magazine de notre ville. Il y a une petite rubrique Zoom habitante et voilà, cette fois-ci c'était nous. Et cet article annonce aussi mes présences sur les différents marchés de Noël ici en Charente. Je me suis inscrite pas mal comme exposante et ça commence le premier marché... sera le 10 novembre. Par contre, ça, ce marché-là, c'est pas encore vraiment un marché de Noël, c'est plutôt un marché créatif, fait main. Mais fin novembre, c'est vraiment là, c'est que Noël. Noël, Noël, Noël. Et je devrais maintenant me dépêcher pour la production, bien sûr, de plein de cartes. Si jamais vous êtes de notre région de la Charente, je vais vous mettre les dates et les lieux dans la description de cette vidéo et je serai très 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 contente de vous voir, de vous rencontrer. N'hésitez pas de venir me voir, de me faire un petit coucou et discuter avec moi et pourquoi pas acheter quelques cartes pour nous soutenir. Je serai très très contente. Voilà, après le centre paroissial, après notre atelier, nous a signalé encore leur volonté de nous
reprêter la salle si jamais on a besoin. Et bien sûr, ça nous donne encore la possibilité peut-être d'organiser un atelier de cartes de Noël. Peut-être mi-novembre, là, il faut que nous contactions encore le centre paroissial pour fixer la date, pour voir si la date qu'on a en tête est disponible, j'espère. Si jamais ça se confirme, cette date, je vais vous bien sûr informer et vous tenir au courant pour les inscriptions. Voilà. C'était tout court, compact, mais je pense qu'il y a pas mal de choses. Hein? Et nous, on est vraiment, vraiment très ravis parce qu'on ne pouvait pas imaginer que ça se développe comme ça pour nous. Pour l'instant, on touche le bois, que ça continue comme ça aussi en 2020. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une mise à jour. Au revoir et bisous.